Bon, ça y est, j'ai la relique, la game qui commence bien. T'inquiète, t'inquiète, mec. T'inquiète, mec, c'est moi qui suis désolé si on lose, parce que malheureusement pour toi, si je lose, bah moi ça m'est... Enfin, ça me dérange pas spécialement de perdre des games, mais toi c'est plus chiant. Moi je veux juste que la game sur le stream soit intéressante, sinon après ça... Parce qu'il y a des games qui sont auto-win très vite et des games qui sont auto-lose très vite. Évidemment, entre les deux, j'aime pas trop, je préfère une auto-win qu'une auto-lose. Forcément, je suis comme tout le monde, mais... une auto-lose, c'est une game qui part en couille direct avec 10-1 au bout de 7 minutes de jeu en diamant, etc. Bon, bref, t'as perdu. Hein. Après, là, on est en gold. En gold, ça snowball quand même beaucoup. Hein. Après, c'est moins. Je vous le cache pas, évidemment, en gold, c'est moins dur qu'en platine, c'est moins dur qu'en diamant. Mais pour moi, il y a une grosse différence entre quand même le bronze et le gold. Plus qu'en. Honnêtement, plus qu'entre le gold et le platine. Tac. Alors, je sais pas quel sort je vais m'axer. Honnêtement, j'ai pas dû jouer beaucoup. Enfin, j'ai pas joué beaucoup la dernière. En tout cas, je montrerai pas le E. Je sais pas trop comment je vais gérer la lane. On va voir. Hein. Ça va être en live. Ça va être du feeling là. Donc, j'ai pris Katarina. Le problème, c'est que je sais pas trop sur qui je vais pouvoir reset là. Parce qu'il y a un mec qui sera invulnérable. Il y a un mec qui va multi. Il y a un mec qui saute. Il y a deux mecs invulnérables. Enfin, là, honnêtement, le reset il va être chaud à prendre. D'ailleurs, j'aurais dû prendre les couteaux là. Les katanas. Bon, il met des droites, tout ça. On s'en carre. Donc je suis pas une belle Katarina, hein. Je sais les amis. Attends. Tu fais le fou là. Ok, donc là pour l'instant je farm. On farm avec les couteaux. On push tout ça. Histoire de l'écraser un peu sous la tour. Oh merde, j'ai raté un CS. Ah, j'ai raté deux CS. Super. Donc là, pas bien évidemment. Wow. Ok, celui-là je l'ai eu. Oh putain, ça va vite. Oh putain, ça va vite et ça va même. Oh, ouais. Ok. On gankait avec une Katarina niveau 1 sur un Asus. J'y crois moyen, on va pas y aller. On va fuir. Pour l'instant, j'ai pas le saut, donc on l'aura niveau 3. Au niveau 3, on prendra le jump. Ah, il a le dot, effectivement. C'est pas gentil ça. Ok, donc il a le dot, on va essayer de tuer les sbires. Ah, j'ai pas pu. Là c'était pour faire le beau, parce que bon, ça sert pas à grand chose. Fuyons. Oh, ça m'a touché. Oh, le gamin. Bon, son perso n'est pas beaucoup joué. Hein. Malzahar, c'est pas beaucoup joué. C'est pas fou, je trouve. Déjà, merde. Oh putain, j'ai niqué la game. Déjà, c'est pas mobile. Donc en gros, il peut pas trop ganker avec un truc comme ça. Bon, en tout cas, enfin, c'est flag. Oula, ça part en sucette. J'ai Katarina les gars, donc clairement j'ai besoin d'avoir des cibles fragiles pour pouvoir prendre des resets, sinon ça va pas être possible. En gros Katarina, il faut que je puisse tuer des gens pour pouvoir en tuer d'autres. Ok, merci, well played, très très bien joué de la part du viewer. Donc, très bon gank, il était bien avancé tout ça. Merde. Sinon... Et donc là je vais back. Par contre, ouais, mauvaise nouvelle, par contre, si la bot lane commence à récupérer des kills et tout, ça peut être, enfin, on va dire pas évident, parce que en gros, avec Katarina, il faut que j'ai un mec que je puisse buter, parce que si je peux tuer personne, bah si je peux pas prendre de reset, bah je suis pas bien. Le pic de Kai en plus est pas mal contre mon perso. Monte mon torse. Non, je te rassure, j'ai une chemise, mon ami. Mais on pourrait croire que non. Tac tac tac. Donc assassin qui burst, Akali et machin machin. Ouais, mais Katarina, je pense que c'est un des seuls qui a encore plus besoin des resets que les autres. Parce que bah, Akali, quand elle reset un sort, Kha'Zix il reset son saut. Elle reset vraiment tout quoi. À part son ulti qui reset pas entièrement, mais enfin c'est vraiment n'importe quoi le reset de Katarina. Mais c'est n'importe quoi si reset il y a. S'il n'y a pas de reset, bah c'est moins bien. Après en ce moment il y a quand même beaucoup de tanks. Du coup j'ai quand même tendance à penser que bah, c'est quand même un peu moins. Enfin, c'est un peu moins facile à sortir. Après le perso a été beaucoup buff. Merde, putain, a été pas mal buff. Pas disons pas beaucoup mais pas mal. Parce que l'ultime fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Voilà cette épée. La Shyvana qui est relativement loin HP au final. Fuyons. Casse-toi. Ok, il m'emmerde avec son mignon lit.
Ok, j'ai pas mon 6 malheureusement, j'aimerais bien ganker, mais sans mon 6 c'est quand même pas évident. Après l'avantage c'est qu'en bas il l'a pas non plus. Je pense que je vais gratter mon 6 au mid et je vais décaler sur la bot lane. On va vers un bon, on va faire ça. Hein. Donc prions. On pushons la lane vite fait. Essayons de pas perdre trop de farm. Que te ne fais pas ça chez vous, hein. Je suis pas une bonne Katarina. J'ai jamais prétendu le contraire. Ok, j'ai récupéré tous les CS, ce qui est plutôt pas mal déjà, parce que j'étais pas sûr de moi rien que pour ça. Et là, on va aller. Donc là, je pars sur un build early. Enfin, non, je pars sur un build. Un build early mid game. Pen est magique, mais c'est un très bon starter. Ah, c'est gentil, ça, par contre. Fuyons. Ah, il a level up. Ah, horrible. Ah. Oh, t'es sérieux, gros gamin. Fuyons. Là, par contre, je suis bien triste parce qu'il a level up sur l'agression, là. Oula, oula. Oula, fais attention. Parce que là, il y a peut-être le Malzar. Ah, dommage. Ouais, t'es pas bien. Je pense que tu vas peut-être mourir, mais c'est pas très grave, t'inquiète. Tu t'en sors pas. Dommage. Bah par contre ouais donc là j'ai pris. Ah j'ai pris qu'un kill. Putain je crois que j'en avais pris deux. Merde fuck. Ouais bah je crois que j'en avais pris deux. Shivana qui a level up, ça c'était pas une bonne nouvelle. Elle avait pas sa rage rouge, donc j'ai vu qu'elle avait pas son sort. Parce que dès qu'elle prend son sort sa rage vient. Mais malheureusement elle a pu me choper avec un vieux flash là. Bon ça a coûté son flash, qui est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, qui a eu kill, c'est la Shivana. Il faut faire gaffe parce que quand même Shivana c'est bien bien fort quand même. Je dois vous avouer que je suis pas très confiant parce que je sais pas trop comment je vais pouvoir tuer les tanks que sont Shivana et l'autre là. Shivana et Nasus, ça va être un peu compliqué. Parce qu'en gros ce sera au carry AD de le tuer, parce que moi j'aurai pas assez de dégâts. Hein. C'est impossible. Ils sont trop tanky. Non vas-y vas-y prends le mec, ça va t'aidera. T'inquiète pas, ça devrait aller. Ok, je vais prendre la petite marque. Il va récupérer son blue buff. Ça me fait chier d'ailleurs. Hein. T'es pas gentil. Oh là là là, il donne tout. T'as un embrassement. Ah, oh, je suis bien déçu là. Oh là là, je suis tellement déçu, OMG. J'aurais pu limite récupérer le kill sur l'autre après. Ah, je suis bien déçu là. Un double kill là, ça m'aurait mis bien, mec. Tu sais pas à quel point. On va lui laisser la bleue. Parce qu'honnêtement, j'aurais besoin d'un Warwick dans la game là. Parce que Warwick, ça fait quand même mal au tank, puisque ça fait des dégâts en pourcentage de PV. Et c'est pas forcément un personnage très très dur à jouer. Donc du coup, ça devrait aller. J'entends par là que ces personnages là peuvent beaucoup moins fail que les personnages plus skillés qui, du coup, bah, peuvent beaucoup plus fail. Je suis diatrice quand même pour le double kill. Alors la bonne nouvelle c'est que c'était des kills à 2. Donc j'ai quand même récupéré des golds. C'était pas des kills à 5 auquel cas j'aurais vraiment récupéré que dalle. J'ai eu l'assist sur le Malzar. Non pas de Shivana. J'ai pas eu le temps pour la Shivana. T'inquiète j'étais sur le coup. Ok on est parti. Donc là je suis parti sur le bull PD magique, donc là ça y est je lui fais les dégâts purs, elle a 42 DMR, j'ai 37 de PD je pense, 39 ouais, donc j'ai toutes les runes. Donc je suis pas sûr parce que c'est un autre de Smurf, du coup j'ai pas forcément toutes les runes sur mes Smurfs. Et là par contre c'est très très triste mais ça suffira pas. Je recule. Ah là 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 là. Ah, j'ai flashé comme une merde pour éviter la vieille flaque, mais je suis mort tellement de loin, je pense. J'aurais pas dû flasher. Là, c'était le flash pour éviter une vieille flaque de merde, mais. My bad. Bon, je pense que exceptionnellement. Enfin, bon. Je pense pas que ce soit mauvais de prendre de la MR. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas tant de magie, tant de dégâts magiques que ça en face, quand même. Il n'y a pas énormément. Mais. Ouais mon E mais ouais effectivement j'aurais peut-être pu le faire mais je voulais m'écarter des minions aussi parce que si je faisais un E dans les minions j'aurais quand même pris cher. Après j'aurais peut-être dû tout simplement me laisser mourir hein. Et j'aurais pu faire mieux tout à l'heure, j'aurais dû m'approcher plus pour ulti. Il y avait la tour et tout mais
En fait, là où j'ai surtout fait de la merde, c'est que j'ai été agressif sur lui trop tôt et du coup ça a fait peur et ça a pourri un peu le gang de la veille. Je pense que c'est surtout ça le problème. Alors. Donc là j'ai pris de la résistance magique parce que le mec en face a que des dégâts magiques. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est parti warder, je pense. Ça me paraît chelou sinon. Il est relativement low HP, mais bon. Je dois vous avouer, je connais pas du tout mes dégâts. Donc ça va. Clairement, j'en manque pas. Ok, donc là c'était pour clean la vague et on va se barrer. Est-ce que le. Ah oui. J'allais dire, est-ce qu'il est low HP? Clairement, voilà le Warwick là, maintenant qu'il se met bien, il snowball énormément puisqu'il avait récupéré le double kill. Il a un Witsen, ça proc les unités. Enfin. Ça, comment dire, ça fait des dégâts à l'impact, ça fait pas mal de dégâts. Et du coup, bah là, on souhaite bonne chance au Nasus, qui du coup se tape un mec en face qui fait masse dégâts magiques et qui prend de l'armor. Donc ça, c'est pas très malin par contre. Hein. Faire de l'armor contre un Warwick qui part Witsen, qui a eu des kills, etc., c'est très 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 bête parce que du coup, bah, il pourra rien faire. Hein. Alors, on va dire à Warwick, quête. BOTRK. Alors si en plus il fait une BOTRK et derrière full défense, bah, il sera imbutable. Hein. Enfin, ils vont vraiment en chier pour le tuer. Après je pense pas qu'ils... Enfin ils vont en chier parce qu'ils vont surtout... Enfin c'est pas trop l'attaquer parce que s'il attaque, bah... Ketarian ça fait quand même mal. Je suis pas encore 11 mais bientôt. Ça c'est une bonne nouvelle. Bonne esprit de 35%. Ah mais j'aurais pu le tuer là en fait. Ah bah non. Attends, j'ai fait le con là. En fait, je me suis dit, mais je lui fais balle en fait. Oh non! Oh la pire mort au West! Non! OMG 5 HP! OMG, j'aurais failli avoir la pire mort au quoi. OMG. OMG, j'ai failli mourir comme une merde. Oh my god, putain, j'ai eu vraiment peur là par contre. Oh damn! Oh putain, chaud. Ah clairement j'aurais été dégoûté de la vie hein. Mon choix est fait. Merci. Merci Dieu de Katarina. Merde, attends j'ai fait. Pff. J'ai chaté un truc de ouf. Clairement j'aurais été dégoûté quoi. Bon, t'es où Katarina? La petite le petit Malzar là. Bon j'ai des dégâts en fait. J'en ai même plutôt beaucoup. Donc au final, on va pas hésiter du tout. Dès que je le peux, je vais le tuer. D'ailleurs, lui, il a pas d'MR, donc je pense que ça va être ma biatch. Parce que du coup, je fais masse dégâts. Je pense que là, il va appuyer sur R et basta. Je ne me bats jamais à la loi. On va attendre qu'il push, parce que je pense pas que... Sans sbire et tout, c'est quand même un peu plus dur. Vas-y, mon cochon. Ah oh, putain, il l'a eu, hein. Je suis déçu, hein. Il lâche rien le mec. Bon, c'est bien pour lui mais bon. Il est vénère. Tu l'as. Théma, il a vu qu'il était au HP. Théma, non. Warwick. Putain, il m'a encore banane. Putain. Bon bah très bien. Clairement, putain, il m'a mis au fond. Bon bah il a bien joué, hein. Il a flash. J'allais l'avoir, quoi. Je suis déçu, putain. Très bien. Ah, je l'avais eu dans le boule, hein. Mais j'ai jump sur un allié justement pour le tuer. J'ai pas jump sur lui, j'ai jump sur un allié pour pouvoir le tuer avec le Z. Mais il a flashé, hein. En cas où t'as pas vu, il s'est téléporté. Très bien. Bon, j'aurai pas de kill avec lui. Hein. Ça va pas être possible entre nous. Encore une fois, ça reste des kills à deux, mais quand même. Hein, au bout d'un moment, je dirais pas non. Alors, récupérer une femme au mid. Combien? On a toujours la petite ward. De la trinket si jamais j'en ai besoin. Ça me ferait un free dash. Je peux l'utiliser n'importe où. Et on va, et vous savez quoi, bah, je pense qu'on va bien lui péter les burnes. Hein. On va lui redire bonjour.
Oh merde. Par contre lui, il me fait chier lui par contre. Tiens, gros gamin. On va garder mon ulti, rien à foutre. Je garde tout. Garde tout mec, c'est entre toi et moi. Moi aussi je peux le faire mec. Ouais mec. Voilà, je garde tout. Je garde tout, je garde tout, je garde tout. Non, je garde tout. Non, je suis désolé, je garde tout. Voilà. Tu vois. Tu vois mon ami Warwick. Well played les alliés. Well played les potes. Voilà, j'ai fait mon bâtard. Hein. Là, j'ai fait mon bâtard. Il m'a cherché, hein. Il m'a cherché. Donc voilà, pour récupérer des kills, ça se passe comme ça. Et là, là, je suis content. Bon, évidemment, il peut pas faire ça avec un Warwick parce qu'il a pas de burst. Moi, j'en ai, donc si je veux pas lui laisser de kill, il en aura pas. Hein. Ah, pas très gentil, ça. On va essayer de l'attirer. C'était un bait, poteau. 5 secondes. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Non. Fuyons. T'as cru que t'allais avoir mon boule, hein. Ouais, y'a du monde par contre, les gars. Je fire un peu. J'ai un peu peur. Je ne reculerai pas. Je dois avouer, j'ai un peu peur, là. Oh putain, y'a Edward. Ah, 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 ah. Make a move, man. Ah, il a barrière. Gros gamin. Très bien. Très bien, on s'en apprendra à faire le malin. Et clairement, bah, c'est pas passé du tout. Oula Warwick. Oula Warwick. Oula Warwick. T'es vénère, mec. Ah, c'était un peu ballsy quand même. Ok, bon, je parle des balls, mais clairement, moi, j'ai eu un peu trop de balls aussi. Putain, le gamin. Donc là, j'ai vu qu'il s'attirait là, qu'il partait par ici. Donc voilà, ouais, le but, c'était de tuer le la Kyle ici, si elle s'approchait de la ward. Bon, elle s'est pas approchée assez, du coup, j'ai activé le Z pour pouvoir courir, parce qu'il y avait la Shiva qui arrivait dans mon boule. Et la Kyle qui, ouais, qui avait quand même pas mal de kills et tout, mais j'aurais pu l'avoir, mais c'est vrai qu'elle avait encore sa barrière. Effectivement. C'est pas fini, mec, c'est pas fini. Ah, j'avoue, dommage. Ouais, j'ai peut-être arrêté mon ulti trop tôt, ouais, effectivement. La botlane, par contre, elle est vraiment dans le mal. Hein. Ça va pas être évident pour eux. Un petit coup, mec, un petit coup. Seuls les imbéciles. Lui par contre, désolé mec, j'ai encore mon item. Mon item qui a moins de cooldown que mon ulti, donc si jamais j'en ai pas besoin, autant pas l'utiliser. On va arriver par derrière. Oula, oula, oula. J'arrive, j'arrive. Oh putain. Ça par contre c'est pas une bonne nouvelle. J'essaie de la tirer sur ma gueule pour pas qu'il tape mes collègues. Tu l'as, tu l'as. Ah. Je suis déçu. Oh mon item, putain, là j'ai merdé par contre. Oh merde. Oh merde, je suis déçu là, j'aurais pu le tuer. Ah, il connaît la lanterne. Ok, on va back, on va acheter encore de la paix. On partira sur un DFG. On a pris un Mejai. Là où je suis un peu triste par contre, c'est. En gros, je voulais que le Thresh meure pour sauter sur un mec. Oh, lol. Sors de la bague. Sors de là. Sors de là. Lol. Ouais, t'es pas bien. T'es même un peu tout nu comme mec. On va essayer de l'aider. Ouais, il y a eu le buff de Moonspeed. Passe par les fugs. Donc quand c'est comme ça, faut longer les murs, les gars. Pour pas que le mec vous voit. Donc là, longe le mur et tout. Voilà, par contre, longer le mur sur le dragon, c'est moins fort. Parce que bah si, il suffit qu'il ward et t'es un peu banane. Non, cours, mon ami. Nice, t'as bien fait. Salut. On va conserver l'item. On va synchroniser les sorts. Voilà. Là, c'est pour les stacks Mejai, hein. Ça vaut toujours le coup.
Ok. Donc synchronisez vos sorts avec les persos comme ça. Comme ça, vous pouvez avoir plus de chances de gagner la game. Alors. A lot of words, please. Donc là, on va lui demander pas mal de wards, puisque... là, s'il y a des wards, je pourrais me feed vraiment vénère. Mais j'ai pas... Enfin, je peux pas trop acheter de wards, par contre. Donc s'il peut en poser, ça m'arrangerait masse. Donc lui, je peux l'attaquer. Le problème, c'est que... là, je pense qu'il fait la roue, il fait la bleue. Donc il y a la chivale à côté. Oh non! Oh non! OMG! Oh, j'ai niqué la game. Alors là, j'ai vraiment fait de la merde. J'ai ulti Z au lieu de faire Z ulti. Et du coup, j'ai cancel mon propre ultime. C'était vraiment pas mal. Oh non, putain. J'ai chié. Ah là, epic fail, ouais, clairement. Epic fail. Oh fuck. Je pense en plus, je l'aurais peut-être pu le tuer. Hein, parce qu'il avait pas l'air d'avoir réagi d'instant. Ah merde, putain. 18 secondes. Je te gratte, faut bien que je tue un mec. Oh. C'est pas gentil ça, par contre. C'est bon ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh merde, non, t'es sérieux là? Tu vas pas? Vas-y, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Vas-y, OMG. T'es sérieux? Aide-moi. Oh my god. Trop tard, attends, attends. Là, je suis plus du tout en place. Là. Oh oh. Oh man. Oh putain! Ah, mon quadra! Pff, ça fait peur! Clairement, je me suis pissé dessus! Nice, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, y'a pas de soucis. Y'a pas de problème, mec. Là, on va penser à gagner d'abord parce que c'était chaud. T'inquiète, mec, c'est pas ta faute. J'ai 9 stacks, ça c'est pas mal par contre. Ça me met bien. Putain, c'était la merde. Hein. J'ai eu un peu de chance hein, parce que. Clairement, fallait pas que je crève tout juste ou quoi. Ils sont morts tout juste. Ça a bien été cool là. Hein. C'est Mato. Ok, on va se barrer. On a DFG, je pense. Ouais. On a DFG, ça c'est cool. Ça c'est pas mal. Ça c'est même pas mal du tout. On a DFG, on a quasiment 20 stacks. Donc là, le mec que je touche, on l'envoie dans, on l'envoie loin, très très loin. C'est reparti. Les gars, non, c'est pas du diamant, les gars, c'est du gold. Hein, c'est du gold. C'est pour ça, hein. Je sors qu'intérieur diamant, je me fais saucer. Hein. En tout cas, je pourrais clairement pas faire le malin. Après, là on est bien parce que j'ai des kills et Katarina qui a des kills, c'est vraiment relou. Après, faut encore que je joue pas trop mal parce qu'il y a quand même pas mal de CC en face. Là, il faudrait des wards en fait. Oh là là, oh je t'ai vu mec. Oh putain, je t'ai vu. Salut. Ah non. Non, ça va. Je crois que j'avais cancel mon ulti mais je l'avais juste pas fait. Oh, ça fait tellement mal. Fuyons. Vas-y mec, t'y vas. Et ouais mec. T'y vas mec, t'y vas. On y va. Ok. Ah merde. Warwick n'avait pas ulti, hein, j'avais pas vu. Donc là c'est ma faute. Mon ulti était revenu genre. Mon ulti est revenu genre une seconde trop tard. J'ai ulti direct mais j'ai ulti trop tard malgré tout. J'aurais dû J'aurais dû tout mettre sur le Malzar parce que clairement il va tout me coller lui par contre. Il m'aime pas hein. T'es pas très sympa hein. Sorry bro. Ok, on est reparti. Donc là, je vais prendre un abyssal hein, pour réduire la magic resist de zone et aussi pour pouvoir prendre un peu moins de dégâts par la Kayle et par le Malzar et par la Shyvana et par le Thresh. Et par... Voilà. Et d'ailleurs, je prendrai mon item et je prendrai un Rabadon.
Après, c'était pas si loin de passer parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui meurt vite et les autres meurent tous aussi. Hein. Ah, il a pris de la MR le mec, par contre, fait chier. Vaut mieux qu'Ulti Malzahar, je pense, tant qu'à faire. Ulti Malzahar, Ulti Malzahar. Après, le problème. Enfin, en fait, les deux sont relous, en fait, je pense. Honnêtement, je pense que les deux sont relous. Mais au pire, je vais tuer le Malzahar et ça ira plus vite. Bon, ok, malheureusement pour lui là, je suis très fil. Donc là, j'ai même pas besoin de jouer avec les mains. On a encore l'ultime. J'aurais dû claquer. Oh merde, oh putain. Oh putain, ça me fait peur ça par contre. Bon, je vais dasher parce que ça fait un peu fier là. Oh my gosh. Très bien. Ils sont sortis à 2 PV mais ils sont sortis quand même. Ça c'est une bonne rigette dessus. Il y a le téléport du collègue. Fuyons. En plus il a téléporté, c'est qu'il est plus en haut. Donc on va gratter cette tour. Donc là j'ai assez pour l'abyssal, je suis pas mal. Hein. Par contre là il y a plus de sbires. Je le tue vite. Ok. Oula. Fuyons. Alors, je pense que du coup bah ils sont top donc ils sont plus mid. On va gratter le mid. Ah mon item putain. Ah OMG. OMG, putain. Pourtant, honnêtement, je pense l'avoir frais. Mais bon, peut-être que je l'ai fait au moment où j'ai dash out et du coup, je l'ai fait après le E. C'est bien possible. Après le flash, pardon. Putain, merde. Donc, je voulais pas le mettre trop tôt parce que si je l'avais mis dès le début... Putain, mais voilà, il a le build invulnérable. Et clairement, il est invulnérable, le bordel. Je lui ai mis un ultime quand même qui fait 1700 dans la gueule, mais il s'en bat les couilles, hein. Je suis pas sûr que je l'aurais tué. J'ai pas lancé le DFG avant l'ultime, parce qu'en fait je pensais à la base juste lui faire peur et qu'il se barre quoi. Donc à la base je voulais pas tout gâcher parce que le cooldown du DFG est plus long que l'ultime. Mais en fait le mec est resté quoi. Il encaisse full ulti de Katarina, il s'en bat les couilles quoi. Parce qu'il avait pas d'interrupt, en fait il avait pas son ultime. Je me suis dit de toute façon il peut pas l'interrompre, donc il va courir. Mais non, il va pas courir, il va pas courir du tout même. Clairement, ils s'en battaient les couilles. Et après, je me suis dit, bon, bah, s'il reste, alors je vais lui mettre le DFG d'abord et je mettrai le pistolet pour le slow pour me barrer en fait. À la base, ce que je voulais faire, c'était mettre le pistolet et flash out. Mais en fait, bah, il n'y a pas eu de pistolet. Je sais pas si ça l'aurait tué d'ailleurs. Honnêtement, je pense pas parce que. Il n'a pas beaucoup de points de vie, mais ce build est tellement. Enfin, ces items, comme ils sont pas encore nerfs, ils sont vraiment ultra puissants. Alors, on va speed push, la fuyer les potes. Donc là, je vais speed push en bas pour essayer de les attirer sur ma gueule. Je suis quasiment full stuff, ce qui est plutôt bien. Je crois que ça a marché d'ailleurs. Je crois qu'il y en a qui arrivent vers moi. Bonne et mauvaise nouvelle, mais bon, grattons un peu la tour. Ah non, ok, on va se barrer. C'est qui ça? Nasus. Ah putain, il a le spirit de visage. Ça y est, il est invulnérable. Attendez, on my way. Voilà, ça engage. Bon, il y a eu le petit cac qui était passé. Une petite vaille. Voilà, par contre, c'est pas bien. Ok. À souffrir. Thanks. Alors, la tour était relativement. Oula. Bon, toi, t'es un peu chaud à tuer maintenant aussi. Ah fuck, ils sont tous durs à tuer. Non, en vrai, c'est normal, c'est des temps. Faut pas que la game dure trop longtemps parce que sinon, ça va vraiment devenir compliqué. Hein. Ils ont quand même des très bons persos.
Alors j'ai peur que la Kayle ait son ulti malheureusement. Je pense qu'elle d'ailleurs elle l'a. Ok. C'est galère mais. Putain, il a failli mourir avant que le DFG le touche quoi. Ok, push en mid les arts, push en mid. Donc ouais, il a failli die avant que le DFG le touche hein. Clairement le pauvre. Lui, il a pas beaucoup de magie crédit. Moi pas assez. Bien joué ça. Alors on te fout l'ulti, mais pas mal. Par contre là il reste Dieu. Enfin Dieu numéro 2 on va dire. Donc là va jump. Ok, donc j'attends mes 4 jumps pour ulti. Nickel. Donc là c'est bon, on a eu la base. Normalement on devrait pouvoir récupérer des trucs là-dessus. C'est pas encore win, j'ai mon DFG qui revient dans pas longtemps. On a de quoi lister bonne année. Oula. Ballsy les mecs. Fuyons. Donc là je tue les sbires parce que si je les tue bah ils vont pas pouvoir pop dans les lanes et du coup bah ça va pusher toutes les lanes qu'on devrait pouvoir du coup récupérer la tour top assez rapidement. Du coup j'ai des golds mais je peux pas les utiliser. Ça c'est pas terrible mais bon. Ah c'est bon. J'ai eu chaud. Ok et là faut back et faut finir la game. Parce que clairement Shyvana Nasus c'est comme Shyvana Mundo, c'est le même délire. Et quand la game devient trop longue, ça peut devenir super méga compliqué. On n'a pas envie de voir ça parce que ça va être sale. Ok, je suis full stuff. Let's go. Let's go, let's go. Alors est-ce qu'on fait Nash? Je sais pas trop. Je pense que le mieux c'est de trap. Alors je pense que le mieux c'est de trap et de go finir mid direct. A mon avis c'est le meilleur choix. Là l'ulti qui fait quand même pas mal de dégâts. 3K dégâts, c'est n'importe quoi. Mais bon. Évidemment ça c'est si il dure les 2,5 secondes. Mais ça fait quand même vraiment mal. Alors je peux pas poser ma trinket donc là on va faire check. Parce que si je la pose j'ai plus d'escape. Mon choix est fait. Là je cherche le Malzar en fait. Si j'arrive à tuer le Malzar. Pourquoi j'ai pas reset moi derrière? T'es sérieux? Alors là. Alors là quelqu'un m'explique pas ce que j'ai fait. Mais j'avais pas mon E. J'ai pas. What the hell? J'avais pas mon E OMG. Ah je suis bien déçu parce que clairement. J'ai pas choum. Enfin j'ai choumpo sur quoi? J'ai choumpo sur son cadavre en fait. Lol quoi. Merde, monsieur banane. Il était avant que tu utilises mon E. Ah ouais, ah, c'est possible. Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais attends, mais comment c'est possible, mec? Enfin, j'étais là, non? Je crois que j'étais là. J'ai flashé dans le dent pour pas qu'ils aient la vision pour pouvoir récupérer le kill sur Kayle. Et je voulais en fait sauter sur lui, après sauter sur le trash. Mais en fait, bah du coup, bah non. J'avais pas de E, quoi. Elle est morte à l'ignite. Ah ouais. Ah ouais. Oh ouais. J'ai mon E a eu le temps de se caster, mais pas les dégâts alors que c'est instant. Ah putain, j'ai pas eu de chat, franchement. Intrigant. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de luck, quoi. OMG. Ah la banane. Ah la banane de ouf, OMG. Oh, je me suis vraiment fait banane, quoi. Ok. En plus, faire gaffe, ils ont une Kyle et tout. C'est fort en late game. Enfin bref, ils ont une composition de ouf en late game. Hein. Faut pas voir le late game, là. Voilà, clairement, au Gonachor et tout. Parce que Katarina, c'est bien, mais bon, le reste qu'ils ont, c'est un truc de ouf aussi, donc. On my way. Putain, je suis déçu. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas trop de dégâts physiques, ils ont Nasus, mais bon. Après, ils ont pas de carry AP, mais bon, ils ont Kayle, donc c'est le même délire, hein. C'est sustain damage aussi. Varus, je dirais pas non à ton aide. Pas perdre de PV.
Well played. Là normalement il y a le Mazar qui va pas arriver, qui va pas tarder à checker là. Faut aller choper là. Chope la gazette, voilà. Oh, putain, je lui ai tout mis. Hein. Excuse-moi. Seuls les imbéciles hésitent. Ah, c'est Unity. Ah, c'est bon ça. Ah, il a pas eu de bol. Il est mort tout juste quand même. Faut le reconnaître. Et là, c'est peut-être la game. Par ici, mon salaud. Oh merde. Il est mort vite, hein, l'autre. Bon. Ah, c'est la merde. Faut finir, mais il reste les deux world boss, quoi. Les world boss. Bon, bah, on va gratter la tour, hein. Donc là, je vais me barrer pour pouvoir régénérer. Les world boss sont tellement casse-couilles dans le jeu. Je ne reculerai pas. Holy shit! Oh, c'est un truc de ouf. Hein. Ah merde, pardon. Par contre, t'es pas un world boss. Voilà le world boss qui tombe! Moins un! Bon, là, faut finir les tours, mais bon, c'est chaud. Oh merde, ah putain, il est mort tellement vite, OMG. Oh merde, il est mort vraiment vite, hein. Lui, c'était pas un world boss, on a vu. Lol. T'es pas le tryharder, OMG, t'es pas. Fuyons, mec, t'inquiète, je te laisse ton quadra, vas-y, c'est gâteau. C'est cadeau. Oh non, ah bon, ils t'ont perdu. GG. Ah, GG, well played. OMG, mec, putain, il a pas. Comment il s'est fait OS? Mais moi, je suis choqué, hein. Il est mort vraiment vite. Après, il avait pas des mers, c'est pour ça. Bon, c'était du gold. C'était beaucoup plus facile, forcément. Évidemment, je peux pas faire ça en diamant, faut pas rêver. Alors, c'était une game pour le fun, c'est pour ça que je suis parti sur des. Enfin, je joue pas du tout Katarina, hein. Je suis une merde avec Kata. Mais ça suffit là pour les games en gold. GG, well played. En tout cas, c'était marrant. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous a fait marrer. Moi, j'étais surpris des dégâts quand même parce que bah, ça cogne, hein, mine de rien. Et sinon, bah, Katarina c'est bien à bas et low parce que bah, ça reset. Donc, en gros, si vous savez jouer Katarina. Ah bah hello, je peux dire jusqu'à, en tout cas jusqu'en platine ça peut monter honnêtement assez facilement. En diamant c'est quand même moins évident parce que si les world boss en gros si la game, si jamais vous prenez pas de kill et que la game se passe mal, bah, en gros vous avez pas de kill, vous avez 0-0-0, voilà. Et les world boss, bah ils récupèrent du farm. Et bah les world boss, bah clairement tu les tues jamais, hein. Parce que si t'as pas plein de kills, les world boss, bah tu peux pas tomber leur PV, hein. Le mec qui fait Spirit Visage, Sunfire, Ancien Golem, et là bah tu peux être mettre comme ça parce que t'es mal barré, hein. Après un autre truc c'est que voilà, partez défensif contre une Katarina. L'erreur qu'ils ont fait c'est que lui il avait pas beaucoup de résistance magique. D'ailleurs il a vendu son stuff et tout, il avait pas ça à la base. Lui il avait pas des mères non plus, donc prenez de la résistance magique, sinon il pourra. Enfin sinon je l'OS en fait. Et c'est pour ça qu'il est mort vite, hein, c'est parce que j'ai des. Du coup je le fais quasiment des dégâts purs et il meurt très vite. Katarina c'est pas facile à jouer honnêtement. C'est pas très fort en lane, je trouve que c'est pas super fort en 1v1. Mais c'est vraiment très efficace pour monter en ladder puisque bah en fait il suffit de tuer les joueurs les moins forts en face. Donc repérez les mecs les moins forts et fidez-vous dessus tant qu'ils ont pas d'AMR. Le Gladius, quand il a acheté d'AMR, j'ai arrêté de ganker top parce qu'en gros bah au bout d'un moment ça devenait un world boss. Au début ça était rien du tout. Et partait en duo avec un collègue, là on est parti en duo avec la vague et du coup c'est bien passé. Donc GG à lui, donc très merci à toi viewer. Alors quel était ton pseudo, je vérifie. C'était DropTag, donc merci à DropTag. J'ai choisi DropTag justement, hein, dans les commentaires ici, et je vais faire ça à l'avenir. Je pense que je vais faire deux games solo queue et une game avec vous à plus bas et low où je prendrai des persos un peu plus folkloriques. Ce chose que évidemment si je fais en diamant 1, je vais clairement